Qui vous êtes là? Je me rappelle plus s'il faut commencer le combat. Vous m'avez impressionné. C'était donc pas un coup de chance tout à l'heure. Alors, vous êtes prêts pour la finale? Je compte vraiment sur vous pour gagner, hein. J'ai parié sur vous. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Cette coupe Cornio a été remplie de surprises et de rebondissements. Il ne nous reste qu'un seul match à partager tous ensemble. Nous aurions aimé nous aussi que ce tournoi dure plus longtemps. Pour les retardataires, vous pouvez voir la rediffusion. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pourquoi je vous demanderai de faire beaucoup de bruit pour fêter comme il se doit cette grande finale. Hey, d'un côté, deux jeunes débutants qui ont vaincu de redoutables vétérans et en beauté. Le couple qui nous a offert un spectacle des plus inattendus. Les poulains de Madame M. Je vous demande d'accueillir Cloud et Iris. Pour les deux personnes qui sont là, n'oubliez pas de partager ma chaîne. C'est très important pour le référencement. Ils ont remporté le tournoi 5 fois. Et on ne compte plus les adversaires qui sont démembrés. Au mieux, ils les envoient tous à l'hôpital. Ils font le ménage partout où ils passent de façon très musclée. De véritables machines à tuer. Les champions de Chocobossam, je vous demande d'accueillir les tronçonneurs nettoyeurs. Yes. Des armes de la Shinra. C'est permis, ça? Alors, laquelle des deux équipes remportera le million de guilds? Messieurs dames, préparez-vous à vivre un moment exceptionnel! La finale de la Coupe Cornéo! Que le carnage commence! Serein, dis-moi. Je m'attendais à te voir exploser de colère. Même quand on prend toutes les précautions, un imprévu peut toujours arriver. C'est pour ça que j'aime les paris. Ta pièce, elle a deux faces identiques, n'est-ce pas? À plus. Et maintenant, il est temps d'aller récolter mon prix. Désolé, Madame M, mais pas tout à fait. Sur ordre de Don Corneo, il reste un dernier match à disputer. Hein? Il faut remporter ce match pour pouvoir empocher le prix. Attends deux secondes, tu te fous de moi ou quoi? Allez dire ça à Don Corneo. Tiens. Maintenant, on va pouvoir aller sauver Tifa. Avant ça, il faut parler à Madame M. Elle doit te préparer une tenue, pas vrai? Oui. Je suis désolée de gâcher votre plaisir, mais c'est pas terminé. Vous allez devoir faire un autre combat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que vous avez trop mis l'ambiance dans l'arène. La façon dont vous vous êtes battu a amené les spectateurs à parier beaucoup d'argent sur vous.
C'est pas le genre d'opportunité que donne Corneo laisse échapper. Autrement dit ? Si vous voulez remporter le tournoi une bonne fois pour toutes, vous allez devoir affronter un dernier adversaire de son cru. C'est pas ce qui était prévu ? C'est plutôt à moi de me plaindre ! Quel sale avare ce type ! Cette espèce de sale enflure de merde ! Salut Vince, bienvenue sur live, j'espère que tu vas très bien. Moi, ça va nickel. Mais bon, on n'y peut rien. Dans ce quartier, c'est lui qui établit toutes les règles. Toujours est-il que si vous gagnez, qu'il le veuille ou non, il pourra pas tricher davantage. Il s'attirerait les foudres du public. Ça sera donc le dernier combat. C'est tout le mal que je vous souhaite. Salut Pomos. Comment vas-tu et bienvenue sur live. Bon, voilà, c'est le dernier combat. Franchement, vous êtes trop fort. Oui, très bien. J'ai grave hâte de voir votre prochain combat. Vous êtes prêts à y aller? Paris ou pas, ça change rien pour moi. Tout ce que je souhaite, c'est de vous voir gagner maintenant. Je suis à fond avec vous. Cette coupe Corneo a été l'une des plus mouvementées. Qu'en dites-vous, messieurs, dames? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait fort dommage de terminer comme ça? C'est pourquoi, dans un élan de générosité, moi, c'est pas évident quand je suis donné, c'est dur de venir chez toi. Dès que j'ai quelques minutes, j'essaie de venir. Et sinon, j'ai vu toutes les vidéos. Hein. D'un côté, et c'est ce qu'il faut faire. Inattendu de la soirée. Et quand on regarde les vidéos, on les regarde jusqu'à la fin. Dans cette arène souterraine, Cloud et Aerys. Cloud, regarde par ici. Ils sont trop beaux, c'est pas possible. Vas-y, Cloud, t'es le meilleur. Hé, Aerys, je voudrais t'épouser. Ah, de rien, c'est normal. Quant à leur adversaire, la terreur cachée au plus profond de l'arène. L'abomination enfouie dans les entrailles de la terre, libérée rien que après, pour vous. Après, il y aura un peu de danse aussi. C'est l'arme secrète personnelle. Salut, de Don Corneo. 68, bienvenue. Veuillez maintenant accueillir la maison infernale. Moi, je vais très bien. Bah oui, il faut. Toutes les vidéos se regardent entièrement. Hein. Oui, je vais très bien, et 68. Moi, ce que je supporte pas pour moi, c'est qu'il y en a qui regardent que 10 secondes. Et ils osent commenter et liker. Chez eux, on regarde entièrement, on fait comme il faut, mais. C'est eux, non. Maison ? Rien de plus ? Donc, c'est pas normal. Elle me semble pas très hospitalière. Ah oui, la d'accord avec toi. Maison du et tout ça, il faudrait que ça change, ces règles. Le plus miraculeux, qui peut se vanter d'avoir assisté à un match aussi extraordinaire? Personne. C'est littéralement pour ceux qui ont joué à la finale Fantasy 7 classique, la maison, c'est pas dans une arène. Je vous conseille de ne pas cligner des yeux pour ne pas rater un peu barré, on va dire. Préparez-vous pour l'ultime combat. Est-ce que j'ai déjà fini le jeu? Commence. Et voilà, il a enfin commencé le match spécial de la Coupe Corneo. Pour faire face au couple de choc qui a réussi à vaincre de nombreux adversaires coriaces, nous vous présentons une maison démoniaque qui massacre tout sur son passage. J'ai pas l'eau. Ouais, c'est pas grave. Qui donc va réussir à remporter la victoire? Nous le saurons à l'issue de ce combat titanesque. Ah, bah, essayez de faire ton sang-froid. Je vais te montrer ce que je sais. Oulala! Aerys a commencé à faire des attaques. La maison infernale n'a vraiment pas l'air d'apprécier ça. J'ai pas l'eau. Attends, je vais régler parce que c'est vrai que ça m'a l'air fort. Ah merde, je vais pas régler. Tu veux que je reste avec elle? Quelle attaque formidable que celle-ci! Mais la maison infernale n'a pas l'air de broncher du tout! Non, c'est le moment. À toi de jouer. On va faire ça. Tu veux t'en charger? Attends. Eh bien, ça s'est vite terminé. Non.
Pas tout à fait. Je peux pas régler là. Ah, si je peux pas. Mais c'est pas grave. Tout à l'heure, quand c'est. Oula! Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais. Attention! C'est désormais un manoir hanté, prêt à dévorer les humains! Cette épouvantable maison a finalement révélé sa véritable nature! Que vont bien pouvoir faire Cloud et Iris? Garde ton sang-froid! À mon tour, c'est ça? Ferme les yeux! Ah voilà, mais ouais, c'est bien la se passer? Que va-t-il se passer? Se pourrait-il que la maison infernale mijote quelque chose pour éliminer ses adversaires? Je compte sur toi. Non, je me trompais. Alors, c'est le feu maintenant. Oui, c'est le feu. Vient d'effectuer un changement de barrière. Qu'est-ce qu'elle peut bien nous préparer, cette démoniaque habitation? C'est pas l'eau. C'est moi. Elle a lancé son attaque! Quel choc! C'est comme si une maison venait juste de tomber du plafond. Ah ben attends, on peut quand même utiliser la... Attention aux chutes des maisons! L'absence de mesures de prévention risque d'être mortelle! Est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Là. Je te le fais. À mon tour. Et voilà! La maison infernale semble enfin prête à faire une attaque dévastatrice. Bon, attends. Si jamais elle touche sa cible, ça risque de faire mal. Elle est bientôt morte, la maison. Tu peux t'en charger? Laisse-moi faire. À toi de jouer. À mon tour, c'est ça? Ah, ça y est, c'est fini. Ici. Ouais.
Quel combat! Ce jeune homme. Ah ben c'est bien. Ce n'est pas fréquent. Bienvenue sur le live tous les deux là. Attention. Est-ce qu'il te plaît? Hmm.